Ok, pour qui ça d'après vous-même, certains musiciens et certains mélomanes de la place estimaient que musicalement parlant, Skacha était beaucoup plus avancé que Tabou. Pour qui ça d'après vous-même? Et si malgré analyser musique yo, la chercher yo, par exemple, on va l'expliquer. Et gonsé de musique Tabou qu'on beaucoup même t'ai fait sans jazz avant mettre au venir. Avant? Oui, en jazz. Et là pour la musique. Parfois la rencontrer une fille, vous voulez garder pour toute la vie. Yo da di da di tan tan tan. Mélodie musique, son baquette musique jazz joué. Ok. Kishita sous base compas. Kishita sous base compas. Qui fait que et musicalement parlant, moi-même, m'bac a dit ça. M'bac a dit que juste ça a été plus avancé que nous-mêmes parce que. Tu sais. Oh, vas-y, continue. À l'époque que moi-même t'as joué avec Tabou Kombo, moi-même, ouais ça me doit là, me songer. En pile musicien, tu es dans la ciné Paramount. Ah. Dans la première loge devant, parce que tu voulais regarder exactement qui, comment me jouer. Ok. Est-ce qu'on ne pense que c'est ce spectacle que tu as présenté hein, qui était nouveau dans les yeux par eux? Non, ce n'est pas spectacle, là, c'était son. C'était son. C'était mélodie avec la façon de jouer, les accords. Et jusqu'à présent, il y en a qui dit et Albert Saint-Sigon touche de guitare. Qui est spécial et c'est parce que c'est moi-même. Ça, c'est pas keyboard seul manger. Oh non, keyboard, c'est pas même jouer après. Ah. Et ça veut dire que, mais ça qui est arrivé, je suis un moment où accordéoniste. Ok. L'homme rencontré à Mano, comme amis, nous-mêmes, qui ça qui est arrivé, nous avons un orchestre qui était relé atomique. Alors, comme je dis, premier accordéon qui a acheté la carte pour. T'es acheté parce que t'es gagné un accordéon 8 basses avec Vini, mais papa m'a acheté un accordéon 72 basses pour l'orchestre qui était l'atomique qui était fait tout dans le quartier la Caïmoué. Ça veut dire un accordéon 72 basses. Les accordéons, il y a un accordéon 8 basses, il y a un accordéon 32 basses, il y a un accordéon 48, il y a un accordéon 72, il y a un accordéon 120 basses. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles basse? Les basses, ce sont les touches qui se trouvent sur la main gauche qui fait la basse qui fait bassio et accompagnement. Ok. Et est-ce que vous comprenez? Ok. Qui fait que et orchestre ça la dernière, tu gagnes les frères, tu gagnes Eddie Prophète, mais tu gagnes Joseph Prophète qui était le frère d'Eddie Prophète qui était joué accordéon dans Robert Sico. Ah, et nice. Les prophètes habitaient Piro la Caïmoué, non zone Ourigo. Fait que en fin de compte, c'est un frère de son frère de Eddie Prophète, Joseph Prophète qui montrait mon secret de bagaille dans l'accordéon. Ah, ok. Ouais, ça me doule là. Okay. Alors, l'accordéon 72 basses a vini. Moi-même, j'ai un petit accordéon 8 basses. Je n'ai pas de câble mettre accordéon 72 basses sous moi pour me jouer. Et qui fait que monsieur, je connais qu'un accordéon, moi, après, il vini. Et puis moi-même, je joue accordéon. Son accordéon avec violon, il n'y a pas de bataille? Non. Non. On a parlé là de. Avant Tabou Kombo, oui. Yeah. Ma parle d'époque moi-même dans l'accordéon. OK. Mais non mais où tu mettais dans Tabou Kombo? Où tu mettais style ça dans Tabou Kombo? Oui, style d'accordéon dans Tabou Kombo, c'est que majorité orchestre longtemps tu gagnes accordéon. Alors ça fait que vienne gagner accordéon dans Tabou Kombo parce que avant Tabou Kombo tu relais Los Incognitos. Incognitos, OK. Mais Los Incognitos ça tu qu'on jouait avec piano. C'était Piero de Guotte qui était qu'on jouait. Piano. Mais piano, son piano pas de cas déplacé. Puisque piano était la caille, monsieur. Et entraînement, il était fait 4 pieds ou des gouttes. Qui fait que l'orchestre a commencé, nous, l'orchestre commence à bouger. Et Chuchle, d'autres orchestres commencent à faire. Nous-mêmes, comme jeunes, nous avons besoin de sortir tout. C'est ça qui fait qu'on vient mettre un accordéon qui pourrait remplacer piano. Est-ce que vous n'avez pas été, par exemple, influencé par les Aiglons, Exile One, Baezao, pour mettre l'autre instrument? Non. Mais on connaît que Mini Jazzio, t'es justement influencé par tellement d'excellents qui envahi nous. Oui, mais après, Tabou, nous t'envahions tout, oui. Ah non. Ah non. Nous envahions avant. Oui, jusqu'à présent. Oui, nous envahions avant. Parce que les frères et. Comment vous les messieurs et. J'ai oublié les noms, nous avons tout à l'heure, qui était un orchestre en Haïti. Et bien non monsieur yo, mais monsieur ça c'était des bons pianistes et accordéonistes qui étaient venus Martinique. OK. Et monsieur ça a porté en pile musique haïtienne notre bois. Ah. OK. Et
Okay, go another question. Another question. I heard a story for the second album, This Souvenir, had to be recorded twice because the sound engineer. Oh. Mm-hmm. Sound engineer, they messed up album now? Monsieur dit comme ça que l'étendait en histoire sous deuxième album Souvenir là. Il était obligé d'enregistrer deux fois parce que ingénieur de son messed up the first one. Monsieur était fait un très mauvais recording dans le premier album là. Et nous étions obligés de recorder l'album ça deux fois. Est-ce que c'est vrai? Bon, pas tout à fait ça. Deuxième album Souvenir du Tabou Combo. Son album qui sortit en 1000 exemplaires. Pas de bien l'autre. Parce que, nous songez, lorsque nous faisons une soirée d'adieu au Hôtel Ibolélé, et l'orchestre était en forme. Et nous n'étions pas, c'est le premier distanciement que tu as gagné. L'on dit, nous dit, le ça, bébé paramout, toute musique ça y est, et pas de sous-plaque. Pas de sous-plaque. Qui veut que nous dit, nous prenons un instrument et nous avons une petite bulle à l'époque qui t'accordait nos privilèges que nous avons payé enregistrement ça. C'est deux nègres qui ont fait enregistrement ça, c'était Bobby Denis et puis Raymond, qui est un studio volontairement. Et nous avons demandé. Nous avons des mangues. Qui fait que monsieur nous monte cabane choukoun. Bobby Abgado là. Nous monte cabane choukoun. Salut Bobby. Nous monte cabane choukoun. Et puis, en fin de compte, c'est Bobby avec Raymond des mangues qui réalisait un instrument ça. Premier. Mais monsieur dit, nous fait 5, pour qui ça nous fait 500 copies seulement? Nous fait 1000 copies. Nous faisons 1000 copies à peu près. Si c'est 500, je ne sais pas si mais c'est peut-être 1000 copies que tu as fait. Oh, et dis tout. Et dit de monde qu'on a parlé aussi peut-être et dit François Duro les frères de Gaude. Non, c'est pas les frères de Gaude. Ce Pierrot de Gaude que nous t'a parlé là, c'est puisqu'à présent monsieur habite en Haïti. Pierrot de Gaude vient travailler après lui-même dans télévision nationale. Pierrot de Gaude c'était groupe Zami et monsieur Tabou nous-même Tabou Combo qui t'habitait exactement dans pointe Kafou Kay Chaliton. C'est-à-dire que tout le monde Pétionville, ancien yo, qu'on caille ça, exactement dans où on prend Pétionville là. Et c'est là, camarade de Gouate, que nous-mêmes, nous avons entraîné Tabou Combo, ni lorsque nous avons tout ça, nous avons entraîné tout. Okay. Qui fait que nous avons un piano qui a pris de Gouate là, et nous profiter de piano pour nous faire un groupe, un orchestre. Okay. Et moi, à l'époque, nous avons un groupe qui était relais atomique de Pétionville. Ça, c'est un autre atomique qui vient. Parmi lesquels, nous avons la dernière, Pierre Altenor, Rodrigue Altenor, ou te gagne Fanfan Baptiste, ou te gagne Raoul Musac, Albert Chancy et Herman No. Qui veut que monsieur Sayo ne vienne pas jouer musique encore, mais il vienne partir tout ça. Mais nous-mêmes, moi-même avec Herman, alors ça fait que nous venons créer groupe ça, exactement. Et Atomique, tu es conjoint une série de musique de Nemo, de Robert Sico, de Baye comme ça. Alors nous-mêmes, nous avons besoin de faire une musique beaucoup plus élaborée. Okay. Qui fait que jouer bossa nova, jouer musique jazz, jouer musique slow américain, Baye Sao, qui fait que moi, avec Amman, nous venons former groupe ça, qui était qu'on entraînait avec Madame Degouate. Et la dernière, où tu as gagné Michelot Benjamin comme chanteur, où tu as gagné Bob Samper qui a battu tambour, où tu as gagné William Aliska qui vient jouer guitare, ou Jean-Bernard Dorga qui joue basse. Et Amman, nous, tu joues deux timbales à un timbal sous tête. Ok. Qui fait que c'était le premier instrument Herman qui était conjoint dans le groupe atomique. Extraordinaire. Qui fait que moi-même, je suis conjoint de guitare. Qui fait que l'orchestre a été conjoint de musique, des tangos, des valses, des choses, des musiques de jazz, bagaille ça. Mais quand on arrive à un côté, et alors, l'homme commence à sortir de l'orchestre, hein, pour jouer l'autre musique, c'est ça qui peut mener Tabou Combo. Ok. Ok. Alors, il faut m'expliquer où. De Incognito Star. Ou de Incognito ça. Okay. Ça qui nous arrive, c'est que de Incognito ça qu'on y a à Tabou Combo, c'est que nous allons dans la radio Haïti pour nous faire une présentation de Los Incognito. L'on arrive dans la radio Haïti, l'on fait un instrument parce qu'à l'époque, il faut que le groupe là te joue en avant. Après ça, on va le mimer dans la télévision. Ah, parce que, on va le mimer. Okay. Et puis, je me dis, à l'époque, c'était un monsieur qui était le Douillon, qui était manager Télé Haïti. Et puis, je me dis, monsieur. Nous avons fait un instrument aujourd'hui hein, sous nos Los Incognitos, mais samedi, nous venons mimer. C'est Tabou Combo? Non, nous avons poté l'autre nom. Nous avons poté le nom de jazz. Non.
c'est tabou. On a venu avec un nom parce qu'on a changé le nom de Jaza. Parce que Los Incognitos, ça veut dire les inconnus. Qui fait que le papa dit, j'en connais, non. Les gars disent, moi, mais ça. Les gars disent, ok, d'accord, pas de problème. Alors, un vendredi, tu as des codes guitare pour m'acheter dans la boîte à musique. Ok. Et qui était dans la rue pavée. Tirap, gado là. Mais oui, Tirap, qu'on y soit bien. Et l'on fait ça, qu'on y est. Chez le papa de Tira. Chez le papa de Tira. Ok. Dès qu'on a là souvent, elle garde l'instrument. Parce que tout, nous, dès qu'on a un castier et tout, elle garde. Ok. Nous voyons comme on achète l'instrument. On a regardé la guitare, on a regardé tout le bayo. Qui fait que l'on arrive, nous descendons vers 11h du matin. Et dans la boîte à musique, mais pour une camionnette Pétionville. À l'époque, il faut me dire que une camionnette Pétionville, c'était 50 cob. Si on était dans un point Pétionville, ma machine a déposé devant. Quand il non, il déposé, même sur Pétionville, moi, descendre, je vais là, un point, une espèce de rond-point là, presque en face collège Saint-Martial. Oh, c'est où sur Pétionville pour descendre la ville. Oh, ok. Ok, mais l'on arrive dans triangle, ça qui a plusieurs routes là-dedans. Je descends dans la camionnette là, et puis mon bail qui a regardé, qui a écrit Taboufleur. Je me dis, oh, gardons non. Taboufleur, je me dis, je vais monter à Pétionville, je vais dire, monsieur, je veux notre jazz. Ah, qu'on s'en veut notre jazz? Oui, c'est sérieux, ça m'a dit là. Oh, wow. Ça m'a dit là tout, c'est moi qui ai dit tout. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est moi qui ai dit tout à fait. Dit là. C'est Mabdoula, c'est la pure vérité. Moi, non, on vient de la tête. Je descends à pied, je m'en acheter un code guitare dans la boîte à musique qui n'est pas trop loin. Yes. Je finis d'acheter un code guitare, je monte à Pétionville tout de suite, et puis je commence à chercher nègre, parce que, en fin de compte, pas de monde qui presque a un téléphone. Téléphone, ouais. On gagne mon compte à mon téléphone dans caillou, ou même oui. Flâneur. C'est ton luxe. C'est ton luxe, ouais. Mon téléphone. Quand il y a un marché, et puis nous réunis les gars vers 4h30 de l'après-midi, quand Jacques Souffrant, Bab Jamli, ben ça, à côté quand il y a un manneau, et Jacques Souffrant, et puis nous checkons Fidjoua 5, t'es là tout, et puis comme nous avons une espèce de répétition qu'on fait. Qui ça Fidjoua 5 à l'époque? Fidjoua 5, c'est bon ami nous. Habité sous même quartier et tout Fidjoua 5, c'est un ancien guitariste. Oh, au bar monde ça. Fidjoua 5, son gros guitariste lié, un guitariste, c'était quand je l'ai avec Ibo Combo, il était quand je tout avec les diplomates de Pétionville. Wow. Qui fait que Fidjoua 5 est un très bon guitariste. Faut que nous recevoir Fidjoua 5 très bientôt. Monsieur Gimbaye vous le dit à jeunesse là. Quand il est là, ça vient arriver et la réunion de fête, et puis quand il y a même, nous dit monsieur, nous venons de Jaza. Ok. Et nous dit, tabou. Mais il dit, ouf, quand on voit la tabou là. Normalement, ça, est-ce que pas de contestation? Oui, contestation, comment c'est fait? Il dit, oh, il y a les fantaisies de Carrefour, les difficiles de Pétionville, Ibo Combo. Bel nom! Bel nom! Quand on voit avec bagaille tabou ça. Et puis, Hermano, il dit, bon, gon paquet combo. On te met tabou avec combo. Fidjoua s'en dit, mais oui, c'est vrai. Fais ça. L'on mettait qu'il y a non tabou combo. Pas tabou, okay. Pour compter tabou combo. Okay. Et c'est comme ça qu'on y a même cherché. Nous cherchons dans le dictionnaire. Ça tabou veut dire qu'on y a. L'on jeune tabou, ça veut dire définitivement. C'est tabou. C'est tabou. Parce que c'est sacré. Oui, c'est sacré. Ouais, ça me donne là. C'est pas tabou. Combo, c'est pour rythme là. Et puis qu'on y a même combo. Et tabou. C'est un rythme sacré. Oui, qui fait que nous jeunes non. Même moun sou kati la ka nou pat konen de changer non. L'on rive la télé Haïti n'ap joué et puis annoncé tabou combo. Tout moun saisi moun yo di mais c'est pas possible. Jaza c'est pas tabou combo le relé, c'est Los Incognitos et bien c'est là nous changer non Jaza. Okay. Et c'est non ça qui rete suivre nous net jusqu'à maintenant. Ça veut dire que tabou combo changer non avant chouchou. I mean Incognitos. Ah, m'ba konn comment chouchouter relé avant chouchouter là déjà. Non, Incognitos vin tabou combo, chouchle vin skacha. Ah non, nous même Los Incognitos ça va faire pile temps. Ah OK. Los Incognitos son bail qui fait 3-4 mois. Ou gon élément d'information que ce moment là, un élément de réponse qu'on ban moi et m'pa oublier le parce que il est important. Ou quitte tabou combo parce que parents ont voulu ou étudier l'autre bagaille à part la musique. OK.
Nèg yo gen problème pendant que yo New York. Nèg yo obligé relo de Canada pour vinn New York pour vinn résoudre problème yo. Quel que soit problème que yo gen. Pas bien parlé jusqu'à présent. Oui. Et puis ou dit nèg yo ah moi problème moi m'tande bagay skacha yo. M'tande bagay pa nou yo. M'pense que nou gen trop complications dans gens que n'a chercher à quoi pour nous faire musique. Problème là pour même c'était Dadou Pasket. Est-ce que vous son élément fondamental dans le départ Dadou Pasket dans le tabou? Pas du tout. Je pense que au contraire, le Dadou te qu'on a bail problème dans tabou combo. Lorsque nous songe gon week-end, monsieur Relemoy dit mon cher et Jazz a crasé ta parce que Dadou a quitté. Choubou qui relem. Il dit Choubou tabou combo pas crasé. Il dit non, il dit non, m'a venu. Oh, m'a venu jouer avec nous. Wow. Laisse moi même tout, on dit qu'on a joué Canada tout. Mais l'homme sur les n'a pas de gagner, et contrat. Et l'homme sur les n'a. OK. Qui veut que moi descend New York. M'aller, m'a pas oublier ça, m'a joué samedi et dimanche avec monsieur. Négo des gombal pour jouer l'hôtel qui était les Malibu. M'était joué là dans tout et l'homme tourné qu'on est et en lundi ou mardi Dadou vini et dans répétition et tabou combo et puis Jacques Souffrant dit monsieur m'wel don bagay sou kite nek sa tourné là vinn nan jaza ou banane parce que monsieur aimait jaza lié de qui sont parlé de moi même qui m'était là c'est qui est-ce qui Jacques Souffrant? Jacques Souffrant c'était une famille c'est cousin Hermano et c'est un membre famille de Tabou Combo. C'est okay. Comme si Mdadou, c'est de messieurs qui étaient là, tout, qui étaient qu'on a baillé Tabou Combo conseil. Il a baillé musicien conseil. Monsieur dit, Nagyo, si vous quittez autour. Non, monsieur dit, Dadou, si vous quittez monsieur tourné. Ah, et Dadou, monsieur dit ça. Oui, monsieur dit, Dadou, ça. Monsieur dit, Dadou, si vous quittez monsieur tourné, venez, allez, tourné, venez. Ou pas besoin encore, non? Parce que monsieur Jaza et monsieur Jaza. Yeah. Fait que. La réunion faite, Dadou tourné, venu, bah, vous comprenez? Mais les vraies raisons que Dadou quitte Tabou Combo, c'est pas peut-être moi-même, c'est peut-être plus malentendu entre Dadou et les messieurs du Tabou Combo, et c'est pas moi-même. Oui, mais on saute dit comme ça que. Complications, yo? Complications musicales. Non, ça, il était facile pour Dadou Rangel. Albert. Ça dit que non, l'homme bané le conseil. S'il était facile pour le déranger, il t'a rangé dans Magnum Ben. Non, maintenant, il y a le style de Dadou aussi. Don't get me wrong, attention, mon cap gade là, moi, mais Magnum, c'est jazz spam. Moi, mais toute complication qu'on lui a. Mais, ma psyche comprenne. Non, regardez, après ça, Tabou Combo vient faire New York City. New York City. Mais New York City, c'est une musique tout qui bien étalée, qui bien fait. Il n'y a pas sorti de là. Moussouva Dadou là, Dadou dit ouais. Que Negyo fait l'empile mal. Avec New York City? Oui. Monsieur dit, c'est bagaille pâle. Et guitare, c'est guitare pâle. Même Jean, par exemple, Sam Dekadi, par exemple, dans Tabou Combo. Bon, moi, même c'est quand vous ferez, monsieur, par exemple, Inflation. C'est musique pas inflationnée. Okay. Pour qui ça? Parce que musique enterrée, les Toyota. Le rap conduit en Toyota, ou manquer frappe un bébé. Musique ça, son musique moins fait parce que m'dégon machine qui t'aille Toyota. Okay. Pour mettre machine moins. Okay. Que m'dégon avec Tabou Combo. Mais lorsque monsieur arrive à New York, il change de texte là, il y aurait l'inflation. Presque même solo, c'est un solo mieux. Okay. Qui fait que, mais l'homme a regardé plaque là, à côté plaque là, à côté de notre musique là, c'est pas le nom qui est écrit là dedans du tout. Je vois dire rien. Non, bon, moi-même, ça va déranger. Non, parce que moi-même, bah, ça va pas déranger. Okay. Bon, bah, l'autre, bah, encore. Alors, vous voulez pas déranger, monsieur, tout? Bon, non, peut-être que Dadou a bagué même tempérament avec moi. Il y a l'autre musique, tout, par exemple, Bébé Paramount. Bébé Paramount. Yeah. Jean-Claude Jean finit avec un petit bout de musique et un petit bout de mélodie que monsieur Chita, nous travaillons musique là et tout. Majorité, toute solo musique là, c'est moi-même. Ah bon? Oh! Yo tellement c'est moi-même. Yo tellement c'est moi-même, l'homme pour instrument. Moi, parce que la musique se trouve d'abord dans la tête. Tout à fait. Avant que le rivelin d'où est tout. Vous comprenez? C'est mal pour faire musique là. Tout à fait, tout à fait. Et mais qui fait que
de mourir son instrument musique comme tu composé comme tu fais toute solo toute musique yo puisque après me songer c'est ça qui fait gagner qui qu'on a dit oh avant monsieur songer toute musique yo mais c'est moi qui t'ai fait yo la musique au commencement toute musique moi fait avec Tabou Combo yo m'a songer toute. OK, est-ce que tu es tu es membre de la SACEM? Oui. Albert Chassy. Albert Chassy. Les musiques que tu as composées pour Tabou Combo dans le temps ou pas récolté de base non comme bon anniversaire c'est son nom lié oui j'étais tenu à musique bon anniversaire beaucoup plus que toute l'autre musique okay. Parce que ça d'après t'es pour la ville même ouais parce que musique ça bon anniversaire premièrement l'homme fait musique ça n'est pas de quoi c'est moi même qui n'est pas de quoi monsieur t'as bon ça parce que musique dans passant mon bagage que ou même fait café et que musique ça enregistré et deux trois fois dans maison d'édition dans maison de protection des droits d'auteur. OK, là, ça il va rester ça c'est seulement non qui t'aime expliquer non la musique là Herman Novin parti moi même vinn parti tout Herman dit mon cher pour ne pas perdre du musique là. Pour ne pas perdre du musique, je suis enregistré dans SACEM. Ok. Qui est enregistré sous nom Herman. Moi-même, j'ai enregistré mon frère qui était dans BMI Canada. Ok. Frère, j'ai enregistré sous nom dans BMI Canada. Ok. Qui fait que, Rivon le donné, l'homme était rentré dans BMI Canada, m'allait mettre la musique sous nom qu'on est. Parce qu'à l'époque, frère, j'ai enregistré lui, je suis rentré dans BMI. Ok. Je suis mettre sous nom. Et puis, qu'on y a même qui s'en fait, Herman No, lui même tout, li, pour la SACEM, monsieur Bam, on mandat que c'est moi qui fais musique là, c'est lui qui mette le son noni, qu'on y a moi-même, m'écrit SACEM d'accord avec mandat, et que qu'on y a eu une musique là, même monté sous nom. Okay. Ça fait longtemps de cela, il n'a pas l'eau là. Mais c'est des trucs qu'on avait fait pour un autre monde, pas de voler musique là. Tout à fait, tout à fait. Qui fait que, il y a un peu de musique qui n'a pas beaucoup sous nom, et tout Junior et un paquet d'autres. Extraordinaire. Mais il y a tout là qui passe au nom tout. Qui c'est moi qui fais yo. Par exemple, on est bien. Pas de problème à ça. Pas de problème à ça. Parce que. Non mais. Parce qu'il n'y a pas seulement que Albert Chassy, c'est vrai que son est né musicien. J'ai conscience de ça. Parce que Fidjoua, c'est qu'on a les machins solo. Tellement. Ah bon? Oui, parce que tellement qu'a vidé solo, son bail qui est facile pour moi. Maintenant, ce qui arrive, tout simplement, c'est que il n'y a pas seulement la carrière d'Albert Chassy au niveau de Tabou Combo, il y a la carrière d'Albert Chassy tout au niveau de Albert Chassy, le One Man Show. Solo. Solo. Et il me fait plus temps avec Albert Chassy, One Man Show, que. Ah, définitivement, Tabou Combo. Que Tabou Combo. Oui, définitivement. Et Albert Chassy, One Man Show, a rapporté beaucoup plus tout. Que Tabou Combo. Est-ce que ça me donne là? C'est quand un passage dans Tabou Combo, c'est un passage qui était obligé que me faire réellement. Toujours être avec Négo soudé, mais moi même tout, je ne route pas que me défaite. Ok. Nous voyons équipe expert là, et des gens extrêmement avisés, musicalement parlant, culturellement parlant, disons mieux. Et là, j'ai dit, qui, par exemple, nous avons Serge Dex qui voyait en question pour vous. Et musique. Brigitte Bardot, mais Paola, qui boit ou joue une inspiration musicale? Il faut me dire tout le monde que la musique Brigitte Bardot, ce n'est pas la musique PAM que liée. Ce n'est pas la musique PAM que liée. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est mon monocal qui a fait la musique ça. Et la musique là, nous prend. À l'époque que m'te kon joué musique en pile en Haïti, m'te kon accompagné en Cide Rose. Okay. Qui t'es kon joué dans le rond-point, que qu'on a bay spectacle en Rex Théâtre tout côté, qui fait que en Cide kon chanter musique ça en pile. Et nous même Tabou Combo nous t'es vinn jouer musique ça parce que en Cide kon joué le tout et nous t'es vinn apprendre musique là nous jouer le tout. Mais c'est pas une musique qui vient ni de Tabou Combo ni d'Albert Chassy. Si je cherchais, je me songeais, je vois nos monde qui composait musique là. Mais ce n'est pas une musique de Tabou Combo. Oui, mais Tabou l'a repris. Oui, moi aussi, je reprends la musique dans tout. Tabou Combo reprend, il y a plusieurs autres monde qui reprennent. Mais ce n'est pas une musique que Albert Chassy composait. Ok. Parce que je prends conscience ça pour me dire, parce que ça pour moi, ça pour n'est pas pour moi, tout m'abdil. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a peut-être des orchestrations qui fait que.
peut-être que les orchestrations, il y a des orchestrations qui m'appartiennent à moi, et comme non, parce que au gain mélodie musique là, mais gain façon que musique là joue et instrumentation et façon que nous fait jeu au tout. Je parlais des arrangements, des arrangements qui fait que c'est que ça la donné même genre une musique on prend que mettez en compas qui passait long film à l'étranger. Oh, qui c'est les fugues de Bach, les fugues de Jean-Sébastien Bach. Comme ça, non? Oui, que mettez en compas, ils ont parce que monde qui dit ça, monde qui dit non film notre bon. Fait que c'est la musique là ça. OK, est-ce que tu as reçu des royalties pour ça? Oui. Oh, y a des écrits où monde qui fait musique et film là? Oui. Ah. Mon nom qui t'a fait film à la base, c'est ma, ils m'ont rencontré à Taino Beach. C'est pas dans ma vie musique, dans devant eux. Mm-hmm. Et puis, quand y a mis, on dit, oh, dans nos bagages, je fais. Quand on coïncide dans ce musique. Ouais, et puis, quand y a, et puis, Négla dit, où connaît que ça va faire là, et pour où lié? Je dis, monsieur, comment ça? Monsieur dit, parce que Jean-Sébastien Bach, ça fait plus de 50 ans que le mourit. Parce que, au propriétaire, on œuvre jusqu'à 50 ans après la mort de l'auteur. De l'auteur, tout à fait. Qui fait que, après ça, musique là vient en musique que tout le monde apprend. Qu'on y a même, suivant orchestration métrolien, on va mettre noir. Ok, c'est après 50 ans de la mort de l'auteur. Oui. Ça veut dire que bon anniversaire là, qui sont classiques, et on suspecte qu'ils font un petit l'argent. Et c'est après 50 ans l'homme mourit. Après, après 50 ans. Si l'homme mourit, et ni madame ni petite mère héritier. De la vérité de musique dans toujours. C'est 50 ans après l'homme fin, que mourit que l'autre monde a le droit qu'on y apprend musique ça. Ah ok. Il y a Philippe Denis qui te salue. Ah oui. Depuis Philippe, Montréal. Philippe, ah, c'est toute l'équipe là qui a regardé là. Oui. Et il y a Tira aussi qui t'envoie le bonjour. Merci. Nous avons Ulrich Rousseau qui dit côté m'ka jouen album solo, Albert Chansillot, s'il vous plaît. Et bon, sur YouTube, soit aller voir des albums solo d'Albert Chansi. C'est pas grave pour l'acheter. Il besoin d'acheter pour le mettre dans la collection personnelle. Mais il a venu tout là, Radio Superstar. Ça, c'est monsieur en Haïti, n'est-ce pas? Pas comme monsieur en Haïti. Mais il a venu la Radio Superstar, mais là, font commande. Et madame Chansi a pris le soin de ses vieux. Parce que. Mais, les deux derniers disques d'Albert Chansi, je me suis dit, l'homme fait votre signature, je me vends 800 en un seul jour. Waouh! Soit on dit là. Oui, je me vends 800. Un seul jour. Et votre signature, ça, je n'ai pas oublié parce que il était 10h du matin, je m'ai signé CD, il était 5h de l'après-midi, je m'ai signé CD toujours. Extraordinaire. Ah, bah, terrible. Ou quand même fanatique, apparemment. Oui, dans un monde. Parce que ce qui arrive, c'est que, à part de Tabou Combo, moi, jouer des fêtes. Moi, je joue des fêtes en privé. Ah, ok. Et jusqu'à présent. Jusqu'à... On va faire ça jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, je parle avec moi là. Nous carrément, dit Albert. Nous carrément, je vais jouer pour nous. That's it. La seule chose, c'est que je vais jouer même gens que je joue dans Tabou Combo, je vais jouer guitare, j'ai mon piano, mon piano spécial, que si on a passé dans Télé Superstar, nous. Oui, piano. Ok. Mais j'ai joué pour beaucoup de personnalités qui sont entrées en Haïti et au niveau, par exemple, du Palais National. Et j'ai joué quasiment de Jean-Claude Duvalier jusqu'à nos jours. Ah bon? Oui, pour tous les présidents d'Haïti. Soit dit là. Oui, je joue pour toutes. Oh, Albert. Tous les présidents d'Haïti. Albert a roulé sa bosse. Oui. Dernièrement, j'ai joué pour la reine d'Espagne. Oh, dis-moi. Oui, j'ai joué aussi pour Naomi qui était venue. J'ai joué pour l'équipe de Naomi Osaka. Oui, j'ai joué pour l'équipe de football féminine qui t'a parti. Tu vois, joué en pile événement en Haïti. Mais ou pas fait publicité pour ça. Non. C'est des bagailles privées apparemment. C'est des bagailles et bon, plus ou moins privées. Oui. Ouais. Ok, il y a une personne qui nous écoute et qui nous regarde depuis la Suisse. Elle s'appelle Madame Michelle Schmidt. Il dit Evans, Albert a fait un carnaval qui t'a relé roulé tété. Ou à rouler, moins t'es dansé. Merci frère, moins pas j'oublie ça. Ou à rouler tété. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous t'es fait un carnaval qui t'es. N'oublie quelle année, mais c'est vrai, t'es un carnaval comme ça. Okay. C'est très bien. Mais grand pile monde qui dit que carnaval ça, t'es inspiré. Ah bon? Claudie Gassan.
Ah bon? Rencontrer les yeux. Ah, vous connaissez que ouf, Carnaval, ça a été inspiré moi pile parce que il était fait vraiment en dame. Ok, Elisha Paefek is the piano player that went to the Antilles named Henri Pigna, ex Lelo Noir. Piano player qui était allé dans Antilles. C'est Guignard, les frères Guignard. C'est pas Pignard, c'est non, Guignard. C'est Guignard, les frères Guignard, Fefe Guignard, et avec son frère, deux messieurs, c'était deux grands musiciens haïtiens. Et le style de Dix Prophètes, le style de Anton Martinez, le style de Jackie Durozo et tout ça, vient de ces messieurs-là. Ok. Ok. So, est-ce que tu es inscrit à la BHDA? Tu es au courant de la BHDA? Oui. Je suis au courant, Bureau haïtien des droits d'auteur. Ou enregistrer tête au début. C'est-à-dire que, parce qu'il y a une chose, on ne peut pas être dans deux. Oui, c'est vrai. On ne peut pas être dans deux. Non, mais c'est sûr que vous pouvez faire des jonctions avec Mbakone, Sassem ou bien. Exactement. Parce que je me supposais, maintenant que. Jonction ça a fait pour que je me retire toute œuvre que je gagne dans Sassem pour me mettre dans BHDA. Ah, qui soit choisi? Bon, puisqu'à présent, la SACEM nous envoie des euros. Et ça arrive que. Mais maintenant, la BHDA, c'est tout nouveau. C'est son bail qui est tout nouveau. Mais comme haïtien, je pense qu'il va falloir que nous fassions ça. Après tout, on est sous Tabou Kombo. Mais maintenant, tu vas me dire, parce que à cause de l'institution, ça, qui est le BHDA, à cause de ça que le Pral fait, à cause de garde-fous que le Pral mettait pour la musique, pour mon cas, joindre royalties, comment tu vas faire avec l'institution pour là, qui ne joue que de la musique? On a payé le droit d'auteur. On paye? Oui. On va payer un pile d'argent parce que c'est ça seulement fait. On a payé le droit d'auteur. Même si c'est son good. Mais non, mais l'affaire qui arrive, c'est que. N'a payé en conséquence et on va aussi au niveau de la publicité augmenter des tarifs publicitaires parce que il va falloir expliquer aux gens voici ouais, ce qui tout arrive à fait, tout à fait. Est-ce que tu vois tout à qu'on fait. Puisse payer les droits d'auteur. Moi je suis pour les droits d'auteur, pour payer les droits d'auteur et ma passe en pile musique qui a Albert Chancy la donne tout. Ah non, tu as. On doit parler à Emily. On doit parler à Emily Prophète. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu vois? Mais non, ça. Non. Le fait de payer des droits d'auteur, non, ça va amener à quoi? Ça va encourager les gens, en fin de compte, ça va encourager les stations de radio et de télévision à jouer beaucoup plus la production haïtienne. Oui, mais il y a des stations qui vont carrément. Qui peuvent faire n'importe quoi. Non, mais il y a une chose, c'est que si on joue plus de musique haïtienne, je préfère donner. L'argent que je paie à la BHDA, à Raoul Denis Junior, à Aude Maier, au Skacha, à Tabou Kombo, à n'importe quel artiste haïtien que me voyez à l'étranger. Okay. Qui fait que ça va forcer ça va forcer à la production, à la bonne production de la musique haïtienne. Tout à fait. Et on va passer beaucoup plus de musique aussi haïtienne. Oui, mais pas de musique de Albert Chancy. Mais Albert Chancy, c'est la même tout. T'as beaucoup moins payé pour toute musique. Tout à fait. Tu sais la musique Bon Anniversaire, combien de fois elle passe en Haïti? Ah, non. Imagine-toi, en Haïti. Chaque jour régulièrement. En Haïti. Nous le fêtons chaque jour quand même. En Haïti, je me touche rien de droit d'auteur. La seule chose, je sais que c'est vrai qu'il y a un gagnon entreprise. En Haïti, tu es fait en publicité avec musique ça. Okay. Et qu'on y a même agence de publicité, pas de préchance, la chercher qu'on qui est-ce qui fait musique là. Il y a qui dit c'est Aznavour, son musique qui sort en France. Wow. Y a, crazy. Et il finit par aller au monde, et quoi c'était Guito Célestin, il finit par aller, Guito dit oh, mettre musique là avec nous là, oui, c'est Albert Chancy qui fait musique ça, qui veut que l'agence m'a appelé. Et puis il me dit, ok, d'accord, pas de problème. Ils m'ont offert un montant. Il me dit, ok, maintenant avec eux, pour que tu aies capable de mettre la musique dans la publicité. C'est ordinaire. Albert, est-ce que si vous pas créer Tabou Kombo, est-ce que vous pensez que vous avez un autre bagage que vous avez fait?
Si je crée Tabou Combo, je ne fais pas. Je crée Radio Superstar. Tout à fait. Crée, qui tourne en boule là. Je crée Télé Superstar. Actuellement, Télé Superstar. Et on a quatre plateaux de télévision. Parce que l'homme est mon bagaille, je fais la toute comme. Est-ce que le marché même avec Radio? Oui. Au son, j'ai sa radio, ça fait. Oui. Mais la télévision fonctionne très bien aussi. Et la radio aussi. L'homme te fait Radio Superstar. Il y a des gens qui te dit que monsieur son monde foulié. Et c'est encore cette façon de faire, de ne pas faire comme les autres qui te menaient Radio Superstar. Mm-hmm. C'est-à-dire que forme des fonds radio qui pas te semblé avec toute l'autre. Et à l'époque, nous songeait bien, après Duvalier, et Pays Tête en bas, tu as pile problème, et tout le monde, toute radio, a by news, by ça, mm-hmm. et que tête tout le monde toujours chaud. Tout qui fait qu'il fallait arriver avec une radio, lui-même qui fait l'inverse, tout à fait. Pour pouvoir peser, ok, mettons calme, qui fait que lorsque on a commencé avec Radio Superstar, je songeais, en 1987, et puis, map suivre déroulement bagayo. Faut me dire que son radio que t'es entraîné un an avant l'ouvrir. Ok. Émission d'essai. Non. On va faire émission d'essai. Émission en circuit fermé. C'est-à-dire que nous t'es fait émission d'essai, même Baldo. Nous entraîner radio avant l'ouvrir. Pendant un an. Pendant un an. Sans que radio a pour en onde. Oh, il n'est pas on the air. Il n'est pas on the air. Même nous venons, nous entraînons, nous pratiquons, nous pratiquons l'émission à faire, nous pratiquons tout le bagaille pendant un an. Non, mais on n'a pas gagné l'émission là, ça. C'était musique qui t'a passé. Attendez, non. La dernière, c'est une news. Il y avait une série de émissions tout. L'on fait ça qu'on y a un nouveau radio. Qui ça qui nous arrive qu'on y a? M'attendez, me dit. Radio a une belle écoute pendant les émissions d'essai. Mm-hmm. On dit, je ne vais pas prendre chance. Je vais quitter ça comme ça. Comment? J'aime faire émission d'essai. Je ne vais pas mettre programmation là-dedans. Je vais juste quitter la musique coulée. Je vais juste quitter la musique coulée. Je vais quitter le comme ça. J'aime mon oreille qu'on a bral organisé plutôt la façon de faire cette radio. Soit regarder Albert Chancy qui a joué comme Modman Show. Et pour regarder Radio Superstar, on peut avoir une similitude. Ah, définitivement. On peut que tout style de musique moins joué, on peut trouver là. Définitivement. Okay? Fait que j'avais créé des patterns bien spécifiques, qui fait que c'est nous venons entraîner avec patterns à eux. Et c'est comme ça Radio a continué. L'une fait premier. Et lorsque Daniel Wickering, relève moi pour dire Monsieur Chancy, nous avons une surprise pour annoncer. Vous pouvez venir à mon bureau. Monsieur Dimli font survey. Mm-hmm. Radio Superstar a 73% d'écoute. Waouh. Non, à l'époque. Ouais. À l'époque. Qui fait que, ouais, imaginons que je vais quitter ce style-là. Bah, pour ça, présent, je vais quitter ce style-là. Je sais, Albert, tu as pratiquement créé le succès de la chanson de Zinglin. Fidèle, par contre, son GVS. Parce que c'est Superstar qui t'est passé musique ça, plus Fidèle t'es fait que sautille ça. C'est ça. Fidèle avec la voix de Gary DJ Perez. C'est vrai. Non, même songer. Je rencontre monsieur derrière moi. Et New York et Miami. Ok.